Yon l'autre fois encore, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes et puis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous pas lancé dans la République là, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes voulait saluer et remercier tout abonné nous yo. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé, pas oublier aller pour pas abonner avec TV Caraïbes. Et puis ouvrir chaîne notification, ça fait ou fait partie équipe notification TV Caraïbes là. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous déroulé avec information yo. En nous, président Sénat République là, Pierre-François Sildo soulevé nécessité pour tout ancien sénateur yo, député à employé qui n'en fait mandat yo pour remettre tout matériel institution qui n'en main yo. Sénateur Sildo applaudit tout le monde qui déjà fait geste ça pendant l'y encourager tout l'autre monde qui gagne matériel n'en main yo pour remettre yo. Président Sénat annoncé parlement pral faire inventaire tout bien yo dans jour qui vini là. Et nous voulons faire qu'on est tout, gouvernement République Chine Taïwan a remis lundi 27 janvier, yon don 2200 tonnes diri by Fonds Assistant Économique et Social, FAES. Diri ça a pral permettre gouvernement haïtien continuer programme Kore Pepla. C'est information ça, on nous pote pour vous. Nous pas perdre du temps, n'a pas commencé coulier. Sénat, demandé et tout le monde qui gagne bien, tout le monde qui parle en Sénat, que ce soit ancien sénateur, que ce soit mon gars rupture de poste, de contrat, mon qui démissionné, pour retourner bien, quitter la main de façon temporaire dans le patrimoine du Sénat. C'est un processus qui est en cours. Et m'apprendre, c'est pas moi qui gère aussi ça en particulier, mais m'apprendre que un sénateur commence à voyer matériel retourner. Donc, on a fait pour national pour nous rester. Tout le dossier ça a bien complété. Ça, il va apprendre moi une machine qui tourne. Il va apprendre mon ordinateur qui tourne. Donc, c'est ça pour l'instant. Donc, on va faire tout inventaire ça. Mais inventaire ça, c'est mon. C'est ancien sénateur, c'est ancien employé sénat, c'est matériel. Mais il y a l'autre inventaire qui a fait. Parce que chaque année, la Cour suprême des comptes fait obligation à toute institution, l'État, de descendre son inventaire. Et pour remettre le 31 octobre. Et malheureusement, en période de crise, l'inventaire ça n'a pas fait ici. Le 31 octobre, nous connaissons, c'est là, ça n'a pas fonctionné. Et nous lançons maintenant une crise d'inventaire pour deux raisons. D'une part, pour obtempérer, ça la loi dit, et qu'on considère pas demandé. Maintenant, c'est le tout comme un inventaire exhaustif de prise de charge, prise de fonction. Parce que le fait rentrer, il faut que nous remettions qui ça qui gagne, et l'homme va nous dire qui ça me quitte. Donc, il y a un inventaire exhaustif qui a fait sur tous les biens du Sénat qui parle de compte maintenant de machines et d'autres questions. Donc, c'est deux ça qui en cours, deux processus qui en cours. Et nous quittons ça pour la presse, de Mkawel, ça maintenant là pour Mandéa. Et notre maintenant, docteur René Gilles aussi, hein, comme secrétaire général là, livré, c'est un autre qui est réel. Et qui est matériel, comment c'est. Donc, on pense que c'est un processus qui est normal. Ce n'est pas une bagarre la petite bête pour chercher, c'est la routine, c'est une routine administrative que l'on doit en fonction ou dégrant bien l'état à la mort de façon temporaire au remettre. Même si c'est une entreprise privée, si on te met une machine à disposition, un ordinateur, n'importe quel bien entreprise là, ou démissionner, ou révoquer, ou quitter, donc il faut remettre bien l'entreprise. C'est pas la petite bête qu'on cherche. Tout sénateur qui va en faire demander, il va demander pour retourner le matériel. À travers Fonds Assistance Économique et Sociale FAES, vini en aide à Axila yo qui n'a difficulté pour joindre yon plat chaud chaque jour. D'après directeur général FAES là, Charles Ernest Châtelier, sorti octobre 2019 pour arriver janvier 2020, il y a 105 000 plats chauds qui distribuent par la population, une centaine de distributions qui alimentaires réalisées et puis un total 200 restaurants communautaires joignent produits pour continuer à fonctionner. Les derniers chiffres publiés par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire nous présente un panorama socio-économique à l'échelle nationale grandement marqué par la faim en faisant état de 3,7 millions d'Haïtiens, soit 65% de la population nécessitant une assistance alimentaire sur la période allant d'octobre 2019 à février 2020. Le Fonds d'assistance économique et sociale, sur instruction du chef de l'État,
et du gouvernement de la République se voit dans l'obligation d'intensifier ses interventions relatives à la lutte contre la faim dans le cadre de l'exécution du programme COREPER. Du 4 octobre 2019 au 26 janvier 2020, le fonds d'assistance a réalisé 34 opérations de cantines mobiles pour un total de 105 000 plats chauds distribués, près d'une centaine de missions de distribution de kits alimentaires. Toujours pour la même période, le fonds d'assistance économique et sociale, 365 577 bénéficiaires directs. A réalisé 34 opérations de cantines mobiles pour un total de 105 000 plats chauds distribués, près d'une centaine de missions de distribution de kits alimentaires. Toujours pour la même période, le fonds d'assistance économique et sociale, 365 577 bénéficiaires directs. Ambassadeur République Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, Bang Ziliu, renouvelé engagement pays Taïwan pour continuer à accompagner pays d'Haïti. Ambassadeur a précisé 2200 tonnes de riz viennent compléter 100 tonnes qui est valide à 9 200 000 dollars américains aide alimentaire gouvernement taïwanais et promettre gouvernement haïtien pour l'année 2019. Nous avons aussi remis directement au gouvernement haïtien 3000 tonnes et 6200 tonnes ont été distribuées à travers les organisations non gouvernementales œuvrant en Haïti, telles que le Food for Food et la Fondation de Tchitchi. En réponse à l'appel de la communauté internationale, je voudrais réitérer ici l'engagement du gouvernement taïwanais à doubler son aide alimentaire en Haïti pour l'année 2020, avec un don total de 2100 000 tonnes de riz, une valeur estimative de 21 millions 100 000 de dollars américains, dont 13 000 tonnes seront mises à la disposition du gouvernement haïtien et 8 100 tonnes que distribueront Food for Poor pour Haïti et la Fondation. Chancelier haïtien Bourchit Edmond félicite Faes d'après lui qui continue à remplir mission qui s'est accompagné mon qui est vulnérable. Les amis haïtiens doivent continuer à protéger la population haïtienne, ça va permettre plus de monde sortir de la misère, d'après le directeur général FAESLA, Charles-Ernest Châtelier. Voilà, équipe TVKA et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne, c'est TVKA et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babiz ap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.